Oh, Zinc. Wesh. Non, laisse-moi faire l'interview, sinon Mouloud, il va pas venir. Oh, voilà. Ouais. C'est bon, t'as géré. Fais le reste. Moi, je m'occupe de ça. Direct. Allez, bisous. Comment ça va, Koba? Et toi, mon frère? Écoute, je suis content de te voir. Moi aussi, ça fait plaisir. Pour plein de raisons. Ouais. On a reçu un appel il n'y a pas longtemps en disant « Koba est dehors et il veut parler à Click ». Donc ça me fait plaisir de te recevoir. T'es l'artiste qui a inauguré la chaîne quand on a lancé la chaîne de télévision. Donc ça paraît naturel que tu sois là aujourd'hui, souriant, tout frais. Toujours. Toujours. Qu'est-ce qui te provoque cette attitude-là, en fait? Je suis comme ça de nature, en vrai. Hein. Moi, je suis un gars, j'aime pas me prendre la tête, je veux que rigoler. C'est tout, frère. On vit la vie. T'as traversé une période dure récemment. Ouais. T'étais incarcéré. Je voulais juste savoir, déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de sortir? C'est quoi le premier truc auquel t'as pensé? Aller au studio. Ouais, tout de suite? Ouais, tout de suite. En vrai, la prison, c'est, comme on dit, un mal pour un bien. Là-bas, tu réfléchis énormément. De toute façon, t'as que ça à faire. Hein. Cogiter. Tu revois tes priorités et quand tu sors, tu sais directement ce que tu dois faire. Donc ta priorité à toi, c'est le travail? C'est le boulot, la famille, c'est tout. Le boulot, la famille. Est-ce que tu pensais à la musique à ce moment-là? La musique, c'est mon boulot. Ouais. T'as vu ou pas? Ça veut dire qu'automatiquement, tout se base dessus. Est-ce que t'écrivais? Non, j'écris jamais, moi. Dans ta tête? Ouais, toujours. J'écris pas, moi. Tu connais, t'enregistres des images, t'enregistres. C'est le quotidien là-bas, c'est tous les jours la même chose. Ça veut dire que quand tu sors, c'est tout droit. En tout cas, au studio, c'est tout droit. Parce qu'avant cette incarcération, tu disais, moi, je vais vous raconter des choses qu'aucun artiste n'a racontées parce que je suis en train de vivre des choses que peu de mecs de quartier vivent, et arrive la prison. Est-ce que ça modifie ton contenu artistique? Pas forcément. Ça ne modifie pas, mais ça rajoute, ça rajoute des choses à dire. J'avais une histoire, maintenant avec ça, j'ai encore une autre histoire à raconter et ça se complète. C'est un suivi, quoi. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Du sport. Du sport. J'ai fait deux prisons. J'ai fait la santé et ensuite Bois d'Arcy. La santé, ça va, c'était plus calme. Bois d'Arcy, j'étais en mode seul en cellule, seul en promenade. Donc j'étais que moi tout seul, gros. Que moi tout seul. Je cogitais tout seul et voilà. Comment ils se comportaient, les autres détenus, avec toi? Non, normal. Normal? Non, en prison, il n'y a pas de star ou de je sais pas quoi. Tout le monde, il est pareil. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de... On est tous ensemble dans la même galère. On se serre tous les coudes et vas-y, on avance. T'as passé les fêtes là-bas? Ouais. Noël, jour de l'an? Ouais. À quoi tu pensais à ce moment-là? À ma famille. Le premier Noël que je fais sans ma daronne. Tous les Noëls, moi, je suis chez ma daronne, t'as vu. Là, je l'ai senti, mais ça va, ça forge. C'est surtout pour elle que c'était vraiment dur, t'as vu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais que j'ai plus intérêt à aller là-bas. J'ai plus intérêt. Moi, tu m'as touché parce que la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit « je suis content » parce que ma mère, je lui ai tellement fait la misère quand j'étais petit que là, maintenant, elle n'a plus à penser aux galères. Et là, tu l'as remis dans une galère. Financièrement, elle n'était pas en galère, tu vois. C'est juste que le fait de ne pas voir son fils et de savoir que son fils, il est en prison, comme toutes les mères, ça fait mal au cœur. Donc rien que pour elle, je me dois de rester concentré dehors. Est-ce que tu sens que tu t'es senti victime d'injustice ou c'était... naturel que tu fasses ça, c'était payé. Tu le méritais. J'avoue, on a fait un bordel. On a fait bordel, frère. On a mérité. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en boîte. Il y a 2-3 malins qui ont essayé de un peu toucher ma montre, ou tu vois. Et vas-y, c'est parti. Hein. C'est parti, mais au lieu d'arrêter, nous, on s'est pas arrêté, frère. Et après, vas-y, c'était mort. Ça interroge sur une question, c'est la liberté que tu as en tant qu'artiste, en fait. Est-ce que tu es libre de tes mouvements quand t'es connu, quand t'es exposé? Moi, je suis le genre de gars qui est en mode, je suis un monfoutiste. Moi, Koba, je suis le genre de gars, tu peux me croiser partout. Tu peux me croiser dans Paname, tu peux me croiser au resto, tu peux me croiser à la chicha, tu peux me croiser en boîte. Je voulais pas vraiment me dire que vas-y, je suis une star et je peux pas aller là-bas parce que je suis une star. Moi, j'étais en mode, vas-y, nique sa mère, tu vois. Mais avec ce qui s'est passé, je me rends compte que je peux plus mêler aux gens comme ça. Traîner dans les boîtes, traîner n'importe où, comme je le faisais avant d'aller en prison, t'as vu. Ça m'a permis de me refocaliser sur ce que je dois faire vraiment et de rester concentré. Hein. C'est le plus important. Ça veut dire qu'au lieu de se retrouver dans des situations bêtes,
Maintenant, je préfère éviter les, tu vois, pas les endroits où il y a du monde, tout ça, et vas-y, tranquille. Au moins, je sais qu'il n'y aura rien et je suis tranquille. Donc, t'es pas si libre que ça? Comme tout artiste, comme footeux, comme ce que tu veux, à partir du moment où t'es une autorité, tu dois faire attention où tu traites, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu dois faire attention à ce que tu partages sur les réseaux, tu dois faire attention à tout, parce que ça peut être mal interprété, comme ça peut prendre une, ça peut se propager à un niveau que même toi, tu savais même pas, t'as vu. Et quand c'est parti, c'est mort. Quand t'es un artiste, quand c'est parti, c'est mort. Il t'a fallu du temps, toi, à prendre conscience que t'étais un artiste ? Il a fallu ma peine de prison. Carrément ? Ouais. Je savais que j'étais un artiste. Mais dans ma tête, j'étais en mode... comme je t'ai dit, j'étais en mode nique sa mère, gros. Là, j'ai fait 4 mois, j'ai bien réfléchi. Et ça y est, j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris, en tout cas. Est-ce que tu t'es dit, en vrai, si tu béton, c'est que t'es con ? Ah, j'ai fait le con, je suis béton. Hein. J'ai fait le con. En plus, c'est vrai, on a fait les cons. On aurait pu éviter. On aurait pu éviter, reprendre nos voitures et se tailler, mais tranquille, ça forge. T'écoutais de la musique là-bas? Tu regardais des films? Tu lisais? Ah, j'écoutais de la musique. Ouais. Ouais, bah ouais. À la mort. À la mort, tu connais. T'as ta chaîne Hi-Fi, t'as tes CD, au calme, tranquille. C'est tranquille. Quoi qui te tenait comme musique? Qui te donnait de la force? J'écoutais Bolema, j'écoutais ZKR, j'écoutais Jules. Ouais, je crois que j'écoutais vraiment que ça. Ouais. Ouais. Jules, il est beaucoup, beaucoup écouté. Ouais, Jules, c'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur, Jules. C'est le meilleur, il n'y a rien à dire. Artistiquement parlant, même dans son comportement, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui te touche dans ses textes, toi ? C'est sa sincérité. Il est comme moi, c'est spontané. C'est pas le genre de mec qui va faire un son et dans 2-3 jours, il va revenir sur le son pour modifier. C'est, quand c'est posé, basta. Il est comme moi. Et ça, tu le sens direct. Mm. Tu le sens directement. Toi, tu tiens à garder ça derrière le micro ? Ouais. De toute façon, comme je t'ai dit, moi, j'écris pas, moi. C'est... Dès que j'ai un truc dans la tête, je le sors dans la cabine et dès que c'est posé, c'est posé. C'est fini, le son, je ne le touche plus. Qu'au mixage après, mais je ne change plus rien. Dès que si pour moi c'est bon, bah c'est bon, frère, t'as capté. Je ne sais pas, quelqu'un va venir me dire non, mais tu ferais mieux, non. Si moi j'ai dit c'est bon, frère, c'est moi qui fais la musique, de toute façon, t'as vu. Il faut être sûr de soi. Un autre artiste qui a été important pour toi, c'est Chief Keef. Ouais. Qui est toujours important pour toi d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui te touche chez lui? C'est quoi les points communs que tu arrives à identifier? Les points communs? On a percé au même âge, il avait 17 ans, lui, quand il est arrivé dans la musique. Moi aussi, j'avais 17 ans. C'est la folie comme moi. Et même, je regardais son quotidien. T'as capté, il fout la merde comme moi. Donc, je me suis bien reconnu en lui, t'as vu. Même les locks, tout. Moi, j'ai commencé à, par rapport à lui, t'as vu. C'est un exemple, frère. Il sait très bien ce qu'il fait. Il n'a plus besoin de rapper, tu vois pas. Et moi, à ce stade, je vais arriver à ce stade-là, moi. Ne plus avoir besoin de rapper. Toi, tu veux être entrepreneur, tu veux... Moi, je veux être un boss. Ouais. Et ouais, je veux pas rapper toute ma vie. Je me vois pas à 35 ans, 40 ans, encore à studio, faire... Non, faut passer à autre chose. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans la musique. Je me concentre un max. Et après, c'est Dieu qui décide. Faut jamais dire jamais dans la vie. Ouais, faut jamais dire jamais. Moi, je dis pas jamais, tu vois. Mais on sait jamais, t'as capté. Voilà, c'est Dieu en vrai. Faut prier, c'est le plus important. T'as beaucoup prié en prison ? Même avant la prison. Ouais. Ouais. Et en prison, ça m'a permis de encore plus me rapprocher de mon Dieu, t'as vu. De tenir ? Ouais. Vraiment, ça aide beaucoup. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières, toi ? La paix, protéger les gens que j'aime, m'écarter des faux et de nous donner encore plus. Ta mère t'a donné beaucoup de conseils dans ta vie, notamment de t'éloigner de certains potes. Ouais. J'ai cru comprendre que t'as totalement changé d'entourage. Non, j'ai pas changé d'entourage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mêmes avec qui j'étais quand j'étais petit. Hein. Ouais. T'as capté? Mon manager d'aujourd'hui, c'est le zinc, t'as vu ou pas? Moi, quand je fuguais, je dormais je sais pas où, et la plupart du temps, j'allais chez lui ou chez un autre zinc, tu vois pas. Après, dans la musique, j'avais une autre équipe, c'était les mecs de ma cité, des mecs que j'appréciais énormément. C'est dur de savoir vraiment ce que les gens ils pensent dans leur cœur, t'as vu? J'étais bercé dans des belles paroles, on va dire. Tu connais, j'étais le petit de la cité qui gérait les trucs au quartier. J'ai commencé à rapper, ils étaient là avec moi, t'as capté déjà au quartier. Ça veut dire que moi, automatiquement, je leur dis quoi? Vous m'avez fait manger au quartier, vas-y, les gars, moi, je vais dans la musique, on mange ensemble, on est ensemble, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est à partir de là ma plus belle erreur, t'as vu? Trop faire confiance, trop faire confiance, trop faire confiance, bah, tu te fais baiser. Hein. T'as confondu amitié et business? J'ai tout mélangé. Ouais. Tu t'es rendu compte de quoi? Et comment ça s'est passé, surtout? Une histoire tout bête.
Je voulais chercher un appart. Tu sais, quand tu cherches un appartement, ils te demandent les fiches d'impôts, tout ça, nanana. Et moi, quand j'ai commencé la musique avec les autres, j'étais en mode quoi ? Moi, je m'occupe du studio et vous, vous gérez la paperasse. Ça veut dire que ce qui est paperasse, c'est studio, c'est impôts, c'est tous les banques, c'est tout. Et pour moi, je pensais qu'ils géraient. Mais en fait, nada. Quand j'ai commencé à vouloir récupérer un appart et que je leur ai demandé les fiches d'impôts, ils étaient bizarres, t'as vu ou pas ? Ils me faisaient tourner en bourrique, en bourrique, en bourrique, en bourrique. Un jour, j'ai craqué. Je suis allé moi-même à la banque. J'ai récupéré les relevés, j'ai fait mes démarches, j'ai vu un comptable, j'ai vu un avocat, tatati, tatata, et je me suis rendu compte de plein de choses. Et tu tombes de haut, ça fait mal au cœur, gros. Je te jure, je souhaite ça à personne, frère. Parce qu'en fait, t'as pas été payé ? C'est même pas question de pas être payé. J'ai reçu de l'argent, tu vois, mais déjà, il y a de l'argent qui a été détourné, énormément d'argent. Et il n'y a rien qui a été fait, en fait. C'est-à-dire les impôts, les trucs. Il y a eu plein de bluffs, des faux contrats, des contrats signés à ma place. T'as capté ou pas ? Des RIB qui sont pas les miens. Ça veut dire que des sous, ils venaient pas sur moi, ils venaient là-bas. Des trucs que, voilà, ça fait serrer, t'as vu ou pas ? Ça veut dire que quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, quand je regarde ça, je me dis, moi, en fait, depuis le début, ils étaient en train de me baiser. Alors que toi, t'étais Nia ? Moi, c'était mes gars, moi. C'était mes gars de malade. Tout le monde le sait carrément. Et je te le dis, mais tu le sais toi aussi que c'était mes gars, t'as vu ou pas ? Je les mettais en avant partout. Partout. Tu pouvais pas parler mal d'un tel devant moi, tu vois ou pas ? Mais c'était pas réciproque. Et ils étaient plus en mode, vas-y, c'est le petit de la cité, on va manger sur lui, après vas-y, fin, tu vois ou pas ? Et ça, je le voyais pas, moi. En plus, à cette époque, tu vois, aujourd'hui, j'ai arrêté. À cette époque, je fumais à la mort. Ça veut dire que, gros, t'es là, je suis là, je fume. Moi, je suis en mode, nique sa mère, t'as capté ? Je vais au studio, je rappe, je rentre, je vais au télo, nanani, nanana. Et vas-y, gros, ils en ont profité. C'est ce que j'allais te dire, c'est que moi, je t'ai vu à plusieurs périodes différentes. Je t'ai vu quand t'arrivais à des rendez-vous à 9h du matin, pile à l'heure, carré pro. Et je t'ai vu à une autre période où l'heure, ça n'avait plus d'importance. Ce que tu me dis, c'est intéressant, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont jeunes, dont l'entourage, en fait, entretient la défense. Ça arrange beaucoup de monde d'avoir un artiste... Ouais. Endormi. Contrôlable. Endormi. Il t'endort. Quand t'es jeune, tu vois pas le mal partout. Tu vois pas. C'est-à-dire que quand il me jette un bout, moi, je suis en mode, ah ouais, c'est un bout, il me jette tout le temps de la con. C'est-à-dire tout le temps, je fume. C'est-à-dire tout le temps, j'étais pas le bien, tu vois. C'est-à-dire que même quand, des fois, on allait à des rendez-vous, ah gros, j'écoutais même pas ce qu'ils se disaient. Ça me disait, tiens, signe ça, je signais. J'étais en mode, vas-y, c'est mes gars. De toute façon, s'ils me disent de signer, c'est que c'est bon, tu vois. Quoi. Bah, y a plein de trucs qu'ils m'ont fait faire que laisse tomber, en fait. C'était des barbes. Mais ça, c'est qu'après que tu t'en rends compte. C'est quand tu t'en rends compte que tu te dis, putain. Tu t'en veux plus à eux ou à toi ? Je crois que je m'en veux un peu plus à moi, carrément. Ma mère. Tout le temps, elle me disait fais attention. Mes amis les plus proches, mes uns qui sont là, ils étaient en mode fais attention. Mais moi, j'étais en mode, quand tu me parlais d'eux, j'étais en mode, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes ? De toute façon, personne ne savait comment j'étais avec eux. Ils étaient en mode, tu connais rien, qu'est-ce que tu connais, tu vois ou pas ? Et quand tu te rends compte qu'en fait, c'est eux qui avaient raison et pas toi, bah, j'étais en mode, ah ouais, en fait, j'ai fait le trou du cul, gros. Et ouais, j'essaye de passer à autre chose. Je passe à autre chose, carrément, t'as vu ? Mais ça reste toujours dans un petit coin de ma tête, je vais pas te mentir. Comment t'as réglé ça ? Avec mes avocats. Avocats, comptables, tout ça. Et puis, ouais, ça y est, j'ai réglé ça en vite fait. Il y a eu des plaintes, tout ça. Lui, il a porté plainte contre moi pour je sais pas quoi, nanani. Ça veut dire que même quand les keufs, ils m'ont auditionné parce qu'il avait porté plainte contre moi et je leur ai raconté l'histoire, bah en fait, même eux, ils l'ont vu comme un fou, t'as vu ? Mais moi, j'étais toujours dans l'optique de... Putain, j'ai fait le con, t'as vu pas ? J'ai fait le con, j'aurais pu éviter ça 100 fois. Même 100 fois, j'aurais pu l'éviter. Mais j'avais les yeux fermés. Aujourd'hui, crois-moi, ils sont bien grands ouverts, là. Ah ouais. Est-ce que la personne dont tu parles, c'est Despi ? Ouais. Et il y a un texte où tu disais déjà, tôt, tu lui avais demandé de t'avancer de la cons pour revendre. Ouais. Dans un de tes premiers textes. Ouais. Tu parlais de ce rapport-là, déjà. Ouais. Bah après ça, tu connais, comme je t'ai dit, on faisait le quartier ensemble, t'as vu ou pas ? Gros, ce mec-là, il me connaît, j'étais comme ça, gros, t'as vu ou pas ? Il était à l'école avec mon grand frère, c'était la famille pour moi, t'as vu ou pas ? Ça veut dire que quand j'ai vu que je grandissais un peu et que je voulais des téléphones et tout, t'as vu ou pas ? Un jour, je suis allé le voir, je lui ai dit, vas-y, j'en fais un truc, t'as vu ? C'est-à-dire, on a commencé à bosser ensemble,
On a bossé ensemble jusqu'à, ouais, du collège jusqu'à mes 17 ans. Et lui, carrément, pour te dire, lui, de même, il ne voulait pas que je sois dans la musique de base. Ça veut dire que même quand j'allais au studio en cachette, jusqu'à que Ténébreux 1 il pète. Et après, je suis allé les voir, je leur ai dit, bon, vas-y, les gars, on a mangé dans le quartier, vous m'avez fait manger, bah vas-y, moi, je vous fais manger dans la musique. Mais en fait, je crois que c'est quand je lui ai dit ça qu'il s'est dit, bah vas-y, ça y est, lui, il est mort, lui. Parce que les trucs bizarres, ils me l'ont fait dès le début. C'est pas genre, on a fait un peu de musique, ils se sont perdus dans le truc. Parce que tu vois, j'aurais pu comprendre que, vas-y, ils ont mal géré les bails de manager ou tatatac. Genre, tu perds un peu là, tu essaies de reboucher là, après, tu as un trou là et tatatac, t'as capté. Non, c'est dès le début. Dès le début. Premier contrat, déjà, je crois même que c'était une barbe. T'as capté, ils m'ont fait signer des trucs de ouf. Après, Dieu merci, je m'en sors trop bien carrément. Je m'en sors trop bien. Aujourd'hui, je suis. Ça va, tout va bien. Mais il y a une période où. Ouais, j'ai galéré. Ce qui est dingue, c'est que t'es un des seuls artistes. Moi, je pense que t'es le plus jeune artiste en France à avoir autant de certifications à ton âge. Trois platines à 23 ans. Quatre à 23 ans, c'est un record. Donc sur ces quatre platines, t'as pas profité de la moitié? Ouais, on va dire ça. Ouais, de la moitié. Même, y a pas que ça. Tu vois, y a de l'argent des streams, même l'argent des shows, tu vois, ils me faisaient des coups sur les shows. Ils me faisaient des coups sur plein de trucs, tu vois. Ça veut dire au final, gros, je recevais, mais je recevais pas ce que je devais recevoir. C'est pas normal quand même. C'est moi, je suis tous les soirs au studio, c'est moi, je rappe, c'est moi, je monte sur scène, c'est moi, je fais des trucs. Au moins, donnez-moi mon dû. Juste, moi, je te demande rien de plus, je veux mon dû, tu vois, parce que c'est normal. J'étais pas un bâtard, t'as vu ou pas? J'étais en mode. Les gars, on est ensemble, vas-y, t'inquiète pas. Si je mange, vous allez tous manger. Mais ils étaient trop gourmands. Ça me rappelle une phrase de Doc Gynéco qui disait: je suis fonce-dé, mais pas teubé. C'est-à-dire que toi, tu m'avais dit un truc qui m'avait marqué quand t'étais plus jeune. J'ai dit, mais pourquoi t'es fonce-dé? Et tu m'as dit, mais pour supporter ce que je vis, c'est le minimum. Tu m'avais dit un truc comme ça. Tu m'as dit, c'est trop ce qu'on se prend dans la tête. Ça va trop vite. Ouais, sûrement. Bah après, je me rappelle plus de t'avoir dit ça. Bah, t'étais foncé. Mais c'est des couilles, ça. C'est une excuse. Je te jure. Là, défonce, ça rapporte rien de bon. La vérité, gros. Ça rapporte rien de bon. Aujourd'hui, je suis complètement à jeun et je vis ma vie largement mieux qu'avant. Je comprends les choses largement mieux qu'avant. Quand t'es foncé, en fait, tu veux éviter tout ça. Tu veux éviter de comprendre les choses. Tu veux, ça s'appelle, on va dire, fuir la réalité. Ah, si le tu déni. Préfères. T'as capté? T'es en mode, vas-y, je veux rien savoir, nique sa mère. Mais c'est pas la meilleure des solutions. C'est important ce que tu dis par rapport à la foncé, parce que t'as une audience très jeune, il y en a beaucoup qui te prennent pour un modèle. Et le fait que tu dises, en fait, ça n'apporte rien, ça casse le mythe de l'artiste sex, drogue and rock'n'roll qui a besoin d'être foncé pour être créé, qui a des coups de génie quand il est foncé. Fumer tout le temps. En fait, c'est fumer, c'est pas bon. La vérité, fumer là, la drogue là, la drogue, c'est pas bon, gros. La drogue, c'est pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. Et ceux qui disent que ça m'aide à ça, ça m'aide à ci, ça m'aide pour ça, ça m'aide pour ça. Moi qui a fumé, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux, ça t'aide pas, ça t'enfonce. Le lendemain matin, quand tu te réveilles à jeun, tes problèmes sont encore là, gros. Ça aide pas, la fumée. Ça aide pas du tout. Et puis ça rend parano. Soit ça rend parano, soit ça rend bête. Si ta vie, elle est triste et tu fumes, là, tu deviens parano, tu vois pas. Si t'as de la notoriété, tu fumes, tu peux devenir parano aussi. Ou si t'es en mode, bah, comme moi, tu fumes, bah, tu penses à rien. T'es en mode, donnez-moi mon joint, ma clope, ma feuille, tu roules ton bédo et tu regardes les gens et t'écoutes les gens parler. Et c'est pas la meilleure des solutions, comme je t'ai dit. Non. Donc là, il y aura plus de traces de ça dans tes textes? De bédo? Ouais. Non. Après, je peux parler de bédo, tu vois. J'ai des potes qui fument, tout ça, nanani, tu vois ou pas. Mais moi, personnellement, j'ai plus rien savoir. Comment t'as arrêté? Comment t'as fait? D'un coup. Moi, Dieu merci, je suis pas. Quand je fume pas, j'ai pas les vêtements qui grattent comme ça, t'as vu ou pas? Ça veut dire, je me rappelle, un jour, il me restait un bloc. J'ai dit, vas-y, je finis de fumer ce bloc et je fume plus. Je l'ai fini de fumer et depuis, je fume plus. T'as jamais la tentation? Non. Mes potes, ils fument devant moi, mes uns qui fument devant moi. T'es fou, je fume tous carrément tellement, ils fument de la frappe. Et les autres drogues? Non, je touche pas. Moi, je fumais que de la beuh et du shit, c'est tout. L'autre, c'est interdit, gros. T'as pas le droit. Sinon, tu te fais couper la tête. Non, mais c'est important de le dire. Tu te fais couper la tête, là, c'est interdit. L'autre, c'est interdit, il n'y voit rien. Sinon, tu deviens un schlag.
Même ça, fumer du shit et de la beuh, tu deviens un schlag, gros. C'est de la drogue, hein, ça reste de la drogue. Ouais, tu deviens un schlag aussi. Au début, tranquille, mais à la longue, tu vas voir que tu vas schlaguer toi-même. Tu n'as plus de coiffer, tu vas mal t'habiller, tu vas puer, c'est chiant de puer le shit toute la journée, gros. C'est chiant, gros. Tu passes dans un endroit, les gens, ils sont en mode wesh. Non, non, non. À partir d'un moment, t'as une image à tenir, gros. Eh ouais, gros, c'est pas carré, sinon. Il est bien, ce verbe, schlaguer. Non, c'est chim. Même, gros, je rentre chez moi, ma daronne, elle me voit, les yeux plissés, en mode, wesh, ça fait pas propre. Ça fait pas propre. En plus, toi, t'avais une hygiène de sportif avant. C'était un footballeur. Ouais, bon, après, j'étais jeune quand je faisais du foot. Ouais. Hein. J'arrêtais jeune, le foot, moi. J'arrêtais jeune. Enfin, ils m'ont arrêté. J'étais suspendu. Après, ouais, j'ai tout arrêté. Hein. Quand je suis tombé dans le bédo, j'ai tout arrêté. Ouais, j'ai tout arrêté. Ça schlague. T'as la flemme, tu te réveilles. Tu sais que tu dois faire un truc, mais dès que t'as fumé, t'es en mode, vas-y, nique sa mère, je vais faire après, demain. Au final, tu fais rien de ta vie, gros. T'es là, t'es au quartier, tu fumes. Moi, ce qui m'intéresse d'évoquer avec toi, c'est que je trouve que l'aventure humaine, elle est quand même magnifique. Vous êtes 10 frères et sœurs. Mmh. Toi, je t'ai toujours vu avec des gens de ta famille. Mmh. Et je voulais comprendre ce que ça a changé dans la structure familiale, ta réussite, et comment, c'est quoi ta place à toi dans la famille maintenant ? Je suis le boss. Sans faire le mec. Bon, après, tu connais, je l'ai dit en rigolant, parce que, voilà. Mais je sais qu'aujourd'hui, toute ma famille compte sur moi. Que ce soit ma mère, que ce soit mes petits frères, que ce soit mes grands frères, que ce soit ma sœur, que ce soit... Tout le monde y compte sur moi, donc je me dois d'assurer. Je me dois de les assumer et je me dois d'assurer. Si je coule, c'est tout le monde derrière qui coule. Et les... Tu sais, quand j'étais en prison, j'avais peur de ça, surtout en mode putain de merde. Là, si genre je prends une peine de fou, là, ou je sais pas quoi, il m'arrive un truc de fou ici, ou je sais pas quoi. Dehors, ils allaient faire comment sans moi, tu vois pas. Et c'est ça qui donne la niaque, en vrai. Quand t'es en mode, vas-y, dès que je sors là, je pèse tout et vas-y, c'est carré, c'est tout droit, gros. Ils font quoi, eux ? Il y en a, ils taffent un peu. J'ai un petit frère, il fait des prods. J'ai un autre petit frère, il chante un peu. Après, ma daronne, elle fait rien, elle est à la maison. Voilà, quoi, tu vois, ils font tous un petit peu leur truc, tu vois. Et je les aide comme je peux les aider, tu vois, quoi. Et je sais que ça leur fait du bien et ça me fait du bien de les aider. Donc, tant mieux. Tant que je peux contribuer à ça au moins d'une manière ou d'une autre, je le ferai jusqu'à la fin. Parce qu'ils t'ont aidé aussi avant. Ouais, beaucoup. Bah après moi... On n'est rien sans sa famille. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, en fait, moi, mon problème, c'est que j'étais pas trop souvent chez moi quand j'étais petit. Avant la musique, j'étais dehors. Moi, je dormais dehors et j'étais dehors. Quoi. Ouais, c'est depuis que j'ai commencé la musique que vraiment, genre, je suis vraiment chez moi, genre... Je suis avec tous mes frères et sœurs et je suis là pour eux, comme ils sont là pour moi aujourd'hui. Parce que, crois pas, dans la musique, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Il y a des fois où t'as envie de te confier, mais tu peux pas te confier aux gens de dehors. Mm. Ça veut dire que des fois, j'appelle mon frère, j'appelle ma sœur, oh, il y a ça, il y a ci, il y a ça, et ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Toi, ton père a quitté le foyer très tôt. Mm. Est-ce que vous avez renoué contact ou pas du tout ? Non. 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 Que ma mère, c'est tout, ça s'arrête là. Ma mère, j'ai mes tantes, j'ai mes clones, tout ça, mais chez moi, c'est ma mère. C'est quoi la dernière conversation que tu as eue avec elle ? Là, tu connais, moi, mon anniversaire, c'est le même, je suis né le même jour que ma mère. Hier, je parlais avec elle, là. Elle veut faire une fête, là, la semaine prochaine. Là. Ça veut dire qu'il faut que tu lui prépares ça, là. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lui préparer ? Je sais pas encore, hein. Mais bon, ma mère, elle est pas trop dans les grands trucs. Elle aime bien. Tu connais, elle va aller dans une association, elle va inviter son association. Mais tant que tout ça. Juste faire v'là les courses à sa mère, bien manger, c'est tout. Ça va bien se passer après. Et que tu sois avec elle, en fait ? Bah ouais, toujours. J'habite pas chez elle, mais j'y veux le voir le plus possible. Tu communiquais avec elle pendant ton incarcération ? Ouais. Elle est venue te voir ? Non, j'avais pas de parloir. Je connais cet appel à la cabine. Tu voulais pas de parloir ? Non, ils me les ont enlevés. Ils les avaient au début, mais après, ils me les ont enlevés, les parloirs. Ouais, ils m'ont fait du sale, moi, là-bas. J'ai dit, quand ils m'ont transféré, ils m'ont mis à l'étage des fous. Il me fait un truc de ouf. Comment ça ? Genre, tu connais, il y a plusieurs bâtiments, il y a plusieurs étages. Et là où j'étais, à Bois d'Arcy, c'était l'étage des fous. Tu vois, les mecs qui tapent tout le temps à la porte, qui laissent tomber, gros. Ouais, ils m'ont fait un boulot de ouf. Est-ce que t'as regardé l'affaire Pierre Palmade quand t'étais en prison ? J'ai suivi un peu.
Qu'est-ce que ça t'a évoqué? C'est la France, gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la France, c'est comme ça. Quand t'as la peau un peu plus foncée, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus sévère, c'est un peu plus strict. Moi, je sors d'une bagarre d'une boîte de nuit, j'ai pris 4 mois. Il a tué un enfant, il était sous je sais pas quoi, sous je sais pas quoi, sous je sais pas quoi. Il est dehors, tu as vu. C'est la France. Il y a plein de gens dans le hip-hop qui ont dit, mais regardez ce qui se passe avec Kobalade. T'es beaucoup plus populaire que lui aujourd'hui en réalité. La preuve, ce qui t'est arrivé, c'est parce que toi, tu ne peux pas marcher dans la rue et t'as bénéficié d'aucun traitement de faveur lié à ta popularité. Aucun. Aucun. C'est comme ça. Tu sais, je savais à quoi m'attendre, moi. Je savais que dès que les keufs sont venus me chercher, je savais que j'allais aller au Star. Je savais quoi qu'il arrive. Comme je t'ai dit, j'avoue, nous aussi, on n'est pas tout blanc dans cette histoire. T'as vu ou pas? On a fait pas mal de dégâts dans cette histoire. Ça veut dire que moi, je le prends bien. J'essaye pas de me comparer à lui. Ça va que monter les nerfs, tu vois. Moi, c'est moi, lui, c'est lui. Si lui, il n'est pas en prison, bah, tant mieux pour lui. Qu'est-ce que je te dis? Si Dieu veut, la justice fera son travail correctement. Comme je t'ai dit, c'est la France. Donc, t'as même pas eu de cellule VIP, de... Non. Rien. Oh, je tarde ma gueule. Pas de Darcy, il n'y avait pas de plaque, pas de frigo, rien. Je tournais à la chauffe. Voilà. Tu sais quoi, la chauffe, mon pote? Laisse tomber, gros. Des techniques de ouf pour faire à manger. Et ouais, gros, t'es obligé, c'est la débrouille. Je n'ai pas pleuré sur mon sort. J'aurais pu craquer 100 fois, gros. J'avais toutes les raisons de craquer, si tu veux, même. Mais non, on est là, gros. T'inquiète, je vais sortir encore plus fort. J'arrive toujours pas à comprendre, en fait, que l'artiste qui a battu les records de vente, 4 platines, 23 ans, se retrouve incarcéré et bénéficie d'aucun traitement, même de protection, en fait, pour ta protection, pour ta sécurité. C'est eux, hein. C'est... Là, c'est eux qu'il faut voir. Mais après, j'étais pas tout seul, tu vois, pas. Quand je suis arrivé à la santé, le quart de la promenade, c'était des mecs avec qui j'étais au collège, au lycée, des mecs de ma zone, tout ça. Ça veut dire que c'était peinard. Non, c'était peinard, tranquille. Après, quand je suis arrivé à Bois d'Arcy, c'est dans le 7-8. Là-bas, moi, dans le 7-8, il y a tous mes oncles là-bas, t'as vu. Ça veut dire que même quand je suis arrivé là-bas, les gens, ils étaient en mode peace avec moi parce qu'ils connaissent mes oncles, ils connaissent un tel, ils connaissent un tel. Et ça veut dire que, allez, je fais ma sécurité tout seul, t'inquiète. Mais l'État, ça devrait te protéger, en fait. Faut leur demander à eux, ça. Hein. Je t'ai dit, ils ont essayé de me faire un boulot, mais ça n'a pas marché. Mmh. On est fort. Ils ont voulu servir de toi comme un exemple, tu crois? Ouais, clairement. En mode, regardez, vous croyez que quand vous êtes des artistes, vous pouvez faire ce que vous voulez? Bah non, qu'au baladé, tiens. J'espère que je le souhaite à personne. Hein. La prison, ça ne sert à rien d'y aller. C'est une perte de temps plus qu'autre chose. Donc toi, le message que tu as perçu, c'est star ou pas star, tu restes un noir. C'est réel, en tout cas. Je le dis pas, hein. c'est eux qui le montrent. Moi, j'ai rien du tout, c'est eux qui le montrent. La différence, j'étais allé là, et à lui, et à moi. Tu regardes ce qu'il a fait et ce que j'ai fait, et tu te fais un jugement tout seul. Comment ils te l'ont montré à toi? À quel moment tu l'as le plus senti, en fait? Je crois qu'il a fait quelques jours à l'hôpital de Fresnes, là, à la prison de Fresnes. Il avait fait quelques jours là-bas, là, et il est ressorti direct. C'est là où j'ai vu que, ah ouais, dinguerie. Moi, j'étais là-bas, comme j'étais allongé sur mon lit, je regardais la télé, je disais, putain, chapeau, voilà. Après, il a ses raisons, tu vois. Tranquille, ils ont leurs raisons, peut-être. Je juge personne. Mais il est bien, en tout cas, il a de la chance. Si les gens, maintenant, ils peuvent être sous coke, sous alcool et tuer des bébés et ne pas aller en prison, bah, tant mieux pour eux, gros. Il y a des gens qui te soutenaient quand tu étais en prison? T'as reçu du soutien? Ma famille. Après, si, non. Je vais pas te mentir, il y a eu des bons gars qui étaient vraiment là pour moi. Comme par exemple des mecs comme SDM, vaillant de ouf. Comme Fringlish, vaillant de ouf. Des mecs comme Gazo, vaillant de ouf. Des mecs comme Ibra50K, vaillant de ouf. Je demandais rien, ils m'envoyaient. Ça, c'est ça les vrais gens. C'est pas les gens qui te disent « Ouais, si t'as besoin, tu me dis. » Ça, c'est faux, ça. Parce que quand tu vas dire « J'ai besoin », il va mettre du temps à répondre. Les vrais gens, c'est ceux qui disent « Tiens, t'es là-bas, tiens. » Genre SDM, frère, parce que toutes les semaines, il m'envoyait des PCS, gros. Ouais, il appelait mon zinc, tiens, ouais, on voit, tac, que Ibra, pareil, ta. Des gens vraiment, des vaillants, gros, des vaillants de ouf. De toute façon, tu le sens, tu vois. C'est des gens avec qui, avant d'aller en prison, j'étais en bon terme. Quand il y a eu ça et qu'ils ont fait ça pour moi, bah,
ça peut que resserrer les liens encore plus fort, tu vois. Et Dieu merci qu'il reste encore des bons vaillants comme ça. Gradure aussi, vaillant de ouf, Gradure. Il y a des gens droits encore dans la vie, c'est important, faut le dire. Parce qu'on parle que des mauvais gens, mais il faut le dire, il y a des vrais vaillants dans ce monde. Moi, tu vois, tu te sens pas tout seul. Ça fait toujours du bien. Après, sinon, c'était mes zincs. Hein. Ça t'a touché ? Un petit peu. Ouais. Je m'y attendais pas. Quand tac, mon zinc qui m'envoie un message, il me dit « Tiens, lui, t'as envoyé ça ?» Je suis en mode « Ah ouais, dinguerie. C'est un bon de ouf. C'est un bon de ouf. La tête d'homme. » J'imagine que t'as gambergé dans tous les sens. Je sais que t'as jamais été un ouf en vrai. Moi, je suis une crème, moi. Mais je sais. Non, mais je suis une crème de ouf. Que même t'avais un plan, que t'es quelqu'un qui a toujours pensé à la suite, en disant ce que tu voulais faire plus tard, que la musique, pour toi, c'est un moyen de toucher des gens et de rencontrer un milieu qui n'est pas spécialement le tien et d'aller faire autre chose. Est-ce qu'en prison, t'as encore plus gambergé à ton plan à la suite ? Ouais. Avant, j'étais pas concentré, si tu préfères. Ça veut dire que quand t'es là-bas, t'es en mode « Hey gros, t'as que ça à faire, gros ». Ça veut dire que gros, t'es 24 sur 24 dans ta cellule, tu veux faire quoi à part cogiter ? Tu peux rien faire, tu cogites, tu pries, tu cogites. Et au fil du temps, il y a plein d'idées qui viennent. Il y a plein d'idées. Bon, dehors, il faut que je fasse ça comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et grâce à Dieu, ça va bien se passer. Ça veut dire que, ouais, là, je suis sorti, là, on est tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Donc, c'est quoi le plan ? Je peux pas te dire. Donc, ça veut dire que c'est un vrai plan ? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire, mais t'en fais pas, mon frère. C'est tout droit. C'est tout droit. Et là, je sais que je suis entouré de mes zincs. Et je me suis jamais senti aussi bien que maintenant, gros. Il y a BMF autour de ton cou ? Ouais. Ouais. Explique-moi. Black, Manjack, Family. Donc c'est pas le même M ? Non. Black, Manjack, Family. Pas Mafia, Manjack. Que des Manjack, mon gars. Et ouais. Et que ce soit ici ou de l'autre côté du péage ou tac. Parce que les uns, qu'on est tous ensemble, c'est une big famille, t'as vu. Ça veut dire que même quand je suis arrivé à la santé, il y avait déjà la BMF qui avait déjà un gars de la BMF là-bas, t'as vu ou pas. Ça veut dire tranquille, voilà. On est partout, nous. Partout. Partout. C'est carré, c'est dard. Première image que t'as montrée sur les réseaux en sortant, c'est toi en train de t'acheter ce bijou. Ouais, les bagues. Les bagues. Ouais. Quel message tu voulais envoyer ? On n'est pas mort. Tu vois pas, on n'est pas mort, ma gueule, on est là, gros. C'est pas parce qu'il y a eu l'histoire de Despi, là, ce gros bâtard, là, où j'ai fait un peu de prison, que le gars, il est KO. C'est faux, ça, on est là. On est là, et on sera toujours là, quoi qu'il arrive. Dieu, il te met des épreuves dans la vie, il te met pas n'importe quelle épreuve. Toutes les épreuves qu'il va te mettre, il sait que tu peux les surmonter. Faut juste que tu trouves le moyen de le faire. Et après, c'est bon, gros. Il m'a éprouvé. J'ai donné, Dieu merci, je suis encore là, ça veut dire que c'est bon. Tu penses qu'il y a des gens qui se sont réjouis de ce qui t'est arrivé ? C'est sûr, ça. Tu crois que Despi n'était pas content de savoir que je t'en tuerais ? C'était sûr, il était content, c'est sûr. Mais il doit être trop énervé quand il m'a vu dehors et acheter mes bijoux, par exemple. Parce qu'il a, tu vois, comme lui, comme plein d'autres personnes. C'est pas tout le monde qui m'aime, je le sais, gros, c'est faux. C'est pas tout le monde qui m'aime, c'est pas tout le monde qui veut mon bien, comme que ce soit pour moi ou même pour toi, c'est pas tout le monde qui t'aime, c'est pas tout le monde qui veut ton bien. À ces gens-là, sans leur parler, sans leur dire quoi que ce soit, juste avec ta réussite, eh ben, ils prennent encore plus le seum, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Tu te nourris de seum. Ouais. Ouais. Je me dois de réussir. Pour moi, pour ma famille, et pour les haineux aussi. Sinon, c'est pas marrant. Toi, t'es pas un haineux. Non, moi, je suis pas un haineux. Moi, je fais pas de phase aux gens. Quand t'es avec moi, t'es avec moi. T'es avec moi, t'es avec moi à vie. Moi, je veux pas te faire de phase. Donc, ça veut dire que quand les gens, ils me font des phases, je suis trop young, gros. Je suis en mode, wesh, pourquoi ? Wesh, pourquoi il m'a fait ça, gros ? Moi, j'ai tout fait pour lui. Pourquoi il me fait ça ? Je vais peut-être te pardonner, mais je sais que je vais plus jamais te parler de ma vie. Moi, je laisse pas de seconde chance ou de... Dès que tu fais un truc, tu sais que tu l'as fait. T'es pas malade. T'es pas fou. Tu sais ce que tu fais. Ça veut dire que quand tu me fais du mal, c'est volontaire, tu vas pas me dire que t'as pas fait exprès, c'est faux, je suis pas con. Tranquille, je te pardonne, mais fin. Voilà, fin. Il y a un mot qui t'énervait dans le précédent album, c'était le mot ingrat. Tu dis, il y a que deux personnes dans ma vie qui ont pris mes patins, donc me parle pas d'ingrat. C'est quoi l'ingratitude ? Qui t'a le plus fait mal, toi ? Moi, j'ai presque tout fait pour mon quartier. Tu vois, le bâtiment 7. J'ai tout fait pour le bâtiment 7.
Bâtiment 7, je l'ai inscrit sur Oise même. T'as capté ou pas? Il y a bâtiment 7 de Kobalade sur Oise pour te dire que vraiment le bâtiment 7, j'essaie de le mettre en avant le plus possible. Que ce soit le bâtiment 7, que ce soit moi ou même les autres rappeurs du bâtiment 7. Et quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, et que j'ai vu que les gens à qui j'ai donné de la force de malade me tournaient le dos, c'est ça que j'appelle de l'ingratitude. L'autre fou, la plupart des gens, ils n'aiment pas dans le quartier, tu vois ou pas? Je sais pas, il y avait deux speed dop, tu vois ou pas? Les gens, ils ne parlaient pas avec deux speed parce qu'il y avait dop. Quand lui m'a fait ça, et que moi, je me suis pris la tête avec lui, tout ça, je me suis un peu chiffonné avec lui, tout ça, et que les gens, ils ont pris ses patins, j'étais en mode, mais ouais, je bande de bâtards, vous êtes sérieux là. La plupart des gens qui ont pris ses patins, quand moi je me suis pris avec lui, c'était les gens qui me parlaient sur lui quand j'étais avec lui. En mode, lui, il est chelou, nanana. Ça veut dire que maintenant que j'ouvre les yeux et que j'ai mes problèmes, Zarma, maintenant, c'est moi le fou. Wesh, les gars, c'est plus que de l'ingratitude. Je comprends pas, je sais même pas c'est quoi. La main qui donne est plus dangereuse que celle qui nourrit. C'est une dinguerie, gros. Ouais. C'est une dinguerie, gros. Et quand j'ai vu que les mecs avec qui j'ai grandi, des mecs avec qui j'ai rappé quand j'étais petit, des mecs avec qui c'était mes frères, tu vois pas, je dormais chez eux, ils dormaient chez ma mère, aujourd'hui, ils me tournent le dos comme ça. Non, ce qui fait mal, c'est d'ouvrir les yeux et de te dire les gens que j'ai aimés ou que j'ai aidés, en fait, ils m'aimaient pas. C'est des gros bâtards. Mais c'est des gros bâtards. Je connais ce sentiment. C'est des gros bâtards. Pourtant, même là, aujourd'hui, je te jure, gros, je te montre mes ajouts de Snap, ils essayent de m'ajouter tout ça. Mais je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Voilà, va te faire enculer, frère. Qu'est-ce que tu veux, gros? Voilà, c'est mort. Quand j'avais besoin de soutien, il n'y avait personne à part ma famille. C'est pas aujourd'hui, là, que tu vas me dire, Koba, excuse-moi. Mais va te faire enculer, je vais pas te dire, excuse-moi. On se parle pas, tu me parles pas, je te parle pas, tranquille, chacun sa route. Mais allez, arrête ta comédie. Puis il y en a qui pensent que ta réussite, c'est la raison de leur échec. Ah, mais eux, c'est des fous, eux. Parce que moi, gros, je suis dans des projets, le projet Seven Banks, gros, par exemple, ce projet, moi, je m'en bats les couilles de ce projet, en soi. Sincèrement, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'ai pas besoin de ce projet. Moi, j'ai pas besoin d'être dans une compile de je sais pas quoi, Je l'ai fait pourquoi? Parce que c'est le quartier et parce que c'est mes gars. Enfin, c'était mes gars. Ça veut dire que pour moi, c'était normal que je mette ma voix dedans. Mais en soi, je n'étais pas obligé de le faire. Et quand tu vois qu'on m'aide de remercier après, il n'y a que du dégoût, frère. Voilà. Dégoûté. T'es fou, voilà. Vas-y, nique sa mère, voilà. Tu penses que tu arriveras à te faire des nouveaux amis dans le temps ou tu as bloqué la porte? Moi, je ne fais pas de nouveaux amis. Non. Ça, c'est du business. On est là, on bosse ensemble. On peut bien s'entendre et bosser ensemble. C'est une chose, tout ça. Mais non, j'ai pas de nouveaux amis, je veux pas m'en faire. Je préfère rester avec mes zincs. Et je sais qu'avec eux, je fais tout dans tous les cas avec eux. On bosse ensemble, on rigole ensemble, on vit ensemble, on dort ensemble, on est toute l'année ensemble, tu vois. Que de me faire des potes dehors. Et qu'après, ces mêmes gens avec qui, tac, ils me font des trucs chelous. Donc, ça sert à rien. Le quartier, t'y retournes des fois? Non, pas moi. Mon petit frère, ouais, pas moi. J'ai rien à faire là-bas. Je peux passer dans la ville, je vais voir Bolé. Mais sinon, non, j'y vais pas, voilà. Donc t'as quitté le quartier? Ouais, j'ai quitté, clair. J'ai fait bordel avant de quitter, j'ai taillé. J'ai fait bordel après, j'ai taillé. Et ouais. Tu vis où maintenant? C'est quoi ta nouvelle vie? T'es loin de tout ça? Je ne demande pas l'adresse ou quoi? Non, je suis loin, Ouais, c'est pas pareil. Moi, j'étais habitué à... Après, je suis toujours dans le quartier, tu vois. Enfin, quartier à Monzinc, t'as vu. C'est toujours... C'est pareil, t'as capté, mais... C'est pas le fait de traîner ou pas au quartier. C'est le fait de... Je savais pas qu'avec les mecs avec qui j'ai grandi, genre, ça allait se terminer comme ça. Je pensais pas que la musique, ça allait faire autant de dégâts, frère. C'est une dinguerie, gros, la musique. Tu dis que la musique, c'est une dinguerie, comment ça monte dans la tête des gens. Et avant, c'était pas comme ça. Ça a pris une ampleur de fou, gros. Tout le monde veut percer, tout le monde veut manager, tout le monde veut produire, tout le monde veut tout. Tu te poses à l'écart et tu les regardes comme ça, tu te dis, mais wesh. C'est un cirque. Dinguerie, wesh. T'es avec lui, il va parler sur toi, sur lui. Tata. En fait, c'est des trucs de petits cons, wesh. J'ai plus le temps pour ça, moi, wesh. J'ai pas le temps, moi. Faut que j'aille au studio. Faut que j'aille voir ma mère, faut que tac, j'ai pas le temps, regarde là, je suis avec toi. Même si je voudrais aller au quartier, j'ai pas le temps, frère, voilà. Non, mais c'est important de le dire. C'est ce que disait Soso Maness, il l'avait dit chez nous. Il disait, tous les artistes quittaient le quartier, y a rien de bien. Et c'est mieux.
Regarde-moi avant quand j'étais dans le quartier. J'ai vu Niska quitter le quartier. Niska, on est dans la même ville, Niska. Quartier d'à côté. T'as capté? Il a percé largement avant moi. Et lui, il a quitté la ville bien vite. T'as capté? Et moi, j'étais en mode, ah ouais, pourquoi il a quitté la ville? Tout ça, nanana. Et quand t'es dedans, là, tu te dis, moi, en fait, mais je suis un ouf, j'aurais dû quitter comme lui avant. Il y a des semaines, la date que je quitte la vie de ma mère. Mais moi, je suis le genre de mec qu'on va me dire que ça brûle. Je veux pas écouter. Faut que je me fasse brûler d'abord et après, c'est là, je comprends. Voilà, si moi, je suis comme ça, en fait. C'est un problème. Et... parce que t'étais entier avec les gens, en fait. Bah ouais, gros, moi, y a pas de filtre, moi. Quand je t'aime à la mort. À la mort, gros, je te donne tout. Si je peux tout te donner, je te donne tout, gros. Si je peux mourir pour toi, normal. Normal. Et quand je t'aime pas, tu le sais que je t'aime pas, t'as vu? Mais moi, j'ai mis tout mon quartier, moi, gros. J'ai fité avec tous les mecs de mon quartier. J'ai tout fait pour le quartier, t'as vu ou pas? Le seul, vraiment, parce que c'est mon zinc aussi, ça compte pas. C'est Boleman, mais sinon, moi, le reste, faut même pas me parler. On voit rien avec moi. Voilà, clair. Tu parles des feats. T'es un des rappeurs français qui a fait le plus de feats. De ta génération. Qui est-ce qui te manque? Qui est-ce que t'aimerais bien bosser avec qui t'as pas travaillé? Ah, faut quitter la frontière, là. Ouais. Faut quitter la frontière. Chief Kif? Il y en a plein, il n'y a pas que lui. Il y a des Lil Baby, t'as capté, il y a des Lil Durk, il y a les Anglais aussi, en ce moment, ils sont en train de tout raser. Il y a plein de trucs à faire. Tu prenais une direction très, très musicale. Tu disais, moi, le rap, ça me va de temps en temps, mais en vrai... je kiffe faire d'autres genres de musique, je kiffe chanter, parce je kiffe moi, faire plein de trucs. Moi, je me vois pas comme un rappeur. Ouais, t'as dit tout de suite, moi, je suis un artiste. Voilà, je suis pas un rappeur. J'essaie de toucher un peu à tout. Comme là, je suis sur un projet où il y aura zéro feat, comme mon premier album d'ailleurs, zéro feat. Et là, t'inquiète, je sais qu'il va bien passer cet album. Il va bien passer. Tu penses aussi à t'exporter? Faire des choses à l'international, voyager. Si Dieu veut, j'aimerais bien, ouais. Si Dieu veut, avec plaisir. Il y a le Congo qui est aussi très important pour toi. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu y as mis les pieds? Je te dis la vérité, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Jamais? Non. Ça t'intéresse? Ouais, de ouf. Je vais pas tarder. Mais j'ai pas encore mis les pieds là-bas. Qu'est-ce que tu aimerais faire là-bas? Je vais faire un concert d'allé ouf. Un truc de ouf. Je vais retourner le bled. Pour ma première venue au bled, je vais faire bordel. Là, si Dieu veut, ça va... ouais, ça devrait se faire. T'emmènes ta mère avec toi? Elle serait déjà là-bas. Ma mère tranquille, elle est déjà là-bas, au calme. Donc c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que t'es allé en studio direct enregistré? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce que tu prépares? Il y a Ténébreux 6 là qui arrive. Ouais. Ouais. Ténébreux 6, il arrive. On va encore... ouais, il y aurait... après Ténébreux 6, on va encore envoyer peut-être 2-3 clips. Si Dieu veut, l'album il sort en septembre. Et après, on enchaîne. Hein. On enchaîne. Les festivals? Bah, tu connais, quand les programmations ils ont commencé, j'étais pas là encore. Là, je suis dehors, ça veut dire que ouais, on est en train de gérer tout ça. Petit à petit, on se refait. Mais je trouve qu'il y a un rendez-vous manqué entre la scène et toi. Comment ça? On veut te voir dans des grandes salles, on veut te voir retourner les festivals, on veut, tu vois. Bah... ou c'est pas ton truc? Si, je kiffe. Moi, je kiffe la scène. Mais... faut travailler avec les bonnes personnes. Moi, j'ai été beaucoup négligé. Après, j'ai été négligé parce que pourquoi? J'étais avec des morts noyés, mon pote. J'étais avec deux spies, frère. Top, ils savaient rien faire. Ça veut dire que les gens, quand ils parlaient avec eux, ils parlaient avec deux Mongols, gros. Donc, ils me prenaient moi aussi pour un Mongol. Donc, ils me faisaient faire des trucs de Mongol. Tu vois pas ce que je veux te dire? Jusqu'à un jour, ils m'ont proposé de faire 7 cigales. J'ai dit, mais MDR, qu'est-ce que tu me parles de 7 cigales, gros? Tu crois que j'ai quel âge? Je vais faire 7 cigales. Ils vont te faire un zénith, là, archi complet, là. Et tu veux que je fasse une cigale, là? Mais wesh, tu vois pas? Il y avait plein de trucs qui. Ça allait pas. Mais ça allait pas, pourquoi? Parce que j'étais avec des morts noyés qui pensaient qu'à leur poche. Ça veut dire que eux, tu leur proposais un billet, ils allaient le prendre direct, n'importe quoi, direct, ils allaient le prendre. Mais c'est pas eux que ça a impacté, c'est moi et c'est ma carrière, tu vois, parce que c'est moi qui fais le truc. J'étais baisé un peu quelque part, tu vois pas. Ça veut dire que moi, j'avais pas mon mot à dire vu que c'était eux qui géraient. Et vas-y, frère, là, c'était pété, ça me lève. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui, comme toi, 15-16 ans, qui est au quartier, qui commence à faire de la musique, aller en studio?
Tuto au studio. Tuto au studio, ça vient pas du jour au lendemain. Moi, j'ai eu de la chance, ça a pris vite, tu vois. Mais il y en a plein où ça a mis du temps de fou. Ils ont 5 ans, 10 ans de rap et ça a toujours pas pris, tu vois. Le truc, c'est prie ton bon Dieu, concentre-toi et entoure-toi des bonnes personnes. Tu sais, moi, comme je disais ça, l'entourage, c'est le plus important. J'étais en mode... Vas-y frère, tu vois pas, qu'est-ce que tu me racontes, moi j'ai mes gars. Ou même quand j'entendais des histoires de un artiste, il s'est fait barber comme ça, nanana, moi j'étais en mode quoi. J'étais le premier à dire, moi ça m'est jamais arrivé. Moi j'ai des gars de ouf, nanana, mais c'est pas vrai tout ça. En vrai de vrai, tu sais pas. Surtout quand t'es un petit jeune, tu connais rien gros. Moi j'ai connu les impôts, j'avais 20 ans mon pote. T'as vu ou pas? Je rappe depuis que j'ai 17 ans, ça veut dire que... Pendant 3 piges là, normal là. Et... À l'arrière, il a dû être. Wesh. 5. Après, Dieu merci aujourd'hui, tu vois. Même eux, ils le savent que, tu vois, c'est pas moi, tu vois, pas. C'est... Moi, j'étais géré. C'est pas moi, tu vois, ou pas. Mais c'est. C'est mieux d'éviter, gros. Et le seul moyen d'éviter, c'est de tout regarder, de rester concentré, de poser les questions à chaque fois. Dès que t'as un truc en tête, tu poses la question. Ça, c'est quoi? Pourquoi? Truc, c'est pas... T'es en mode, tu gardes tout pour toi, tu te dis, bon, vas-y, tranquille, gère. Non, c'est pas bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était quoi le plus gros piège dans lequel t'es tombé? En général, c'est deux spiels d'homme, gros. Ouais, c'est le plus gros piège. C'est un trou. Voilà, c'est pas un gros piège, c'est un trou sans fin. Enfin, aujourd'hui, Dieu merci, tu vois, c'est bon. Mais, par exemple, si, tu vois, j'aurais pas voulu acheter un appart, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais toujours pas su ça, tu vois, parce que je vais te dire. C'est Dieu qui m'a dit, tiens, voilà, bah, va demander ça, ils vont te dire ça, et toi, après, tu verras. Moi, je le prends comme ça, c'est grâce à Dieu. Est-ce que les choses peuvent s'apaiser avec eux? Bon, ça, moi, j'ai... Tranquille, tu vois, aujourd'hui, tranquille, tu vois, c'est réglé. Il n'y a rien, mais je sais que je ne vais jamais reparler avec eux. Je suis rancunier un peu, mais je n'ai pas de haine. Tu vois pas, c'est pas, je ne leur souhaite pas de mal, je ne leur veux pas de mal, tu vois pas. Mais... Non, c'est important de le dire, parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Ouais, tranquille. Après, je ne m'en bats pas les couilles qu'ils soient là ou pas. Eux, moi, quand ils faisaient mes trucs, moi, je n'étais pas là, moi aussi, tu vois, ils l'ont bien fait pendant plusieurs années, tu vois pas. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est des humains, frère. Ils sont mauvais. Hein. C'est Dieu qui va s'en charger, c'est pas moi. Est-ce que t'as eu peur de te dire « je vais jamais réussir à me refaire » quand ça t'est tombé dessus? Non, j'étais pas par terre non plus. Tu vois, j'étais pas par terre. Mais j'étais en mode « putain, quand même, tout ça, ils m'ont mordu tout ça sous mon nez, gros. Tout ça sous mon nez, gros. C'est plus qu'une vie. » Tu vois, il y a des gens pendant même 5 générations, ils ont pas fait tout ça, tu vois pas. Ça veut dire que je me dis « ouais, je dinguerie quand même. » Ça représente combien à peu près? C'est une belle somme. Très belle somme, gros. Tu te dis, putain de merde. Allez, bâtards, voilà, ils ont été bons. Allez, bâtards, ils ont été bons. J'avoue, ils ont été bons. Ah, ils m'ont fait un boulot de ouf. Mais c'est des trous du cul, gros. En plus, c'est des trous du cul, parce que c'est pas comme si, genre, c'était de l'argent qui... Hey, c'était des gens... Ils claquent, en fait. Que du m'as-tu vu, tu vois, pas que pour frimer, que pour dire j'ai de l'argent, gros. Jusqu'à, wesh, ce gros bouffon, il paye des cautions à des meufs au ch'tard et tout, gros. La tête de ma mère, gros. Des trucs de ouf. Hey, des trucs de malade, gros. Ils se servaient de moi, normal. Ils se servaient de moi. De ouf. Et les meufs? De quoi, les meufs? Bah, toi, les meufs. Tu vois quoi, les meufs? Bah, je sais pas, les meufs. Ah, tranquille. Tranquille, les meufs. Tranquille, moi, je fréquente pas de meufs au ch'tard, en tout cas. Tranquille. Un jour, je trouverai celle qui saura me comprendre. Celle qui saura me supporter, celle qui m'aimera à ma juste valeur, si Dieu veut. Pour l'instant, on est là. Au calme, tranquille. Ça t'intéresserait de faire du cinéma? Oui, à mort. Ouais. À mort. J'ai essayé un peu avec Or Noir. Et ouais, j'aimerais bien. Ouais. C'est cool. Parce que ta vie, c'est un film aussi. Ouais, laisse tomber. T'inquiète, on va écrire dessus, là. C'est prévu? Je sais pas pour l'instant.
En vrai, tu peux déjà, hein, tu te dis à 23 ans, t'as déjà vécu tout ça. Pour l'instant, je suis dans la musique. Focus dedans. Je pense pas trop à tactique, non. Là, je fais ce que j'ai à faire dans la musique. Et si Dieu veut, bah, après, on verra. On a parlé des choses les plus dures. C'est quoi le meilleur moment que la musique t'ait offert? Ton le souvenir, à chaque fois que tu y penses, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai kiffé à ce moment-là? Mon premier zénith, ouais. Lourd de ouf. En plus, tu connais, il y avait ma taronne, tout, mes tantes dans le public, caca. On avait fait une mise en scène, ça, moi, je me fais péter par les condés. Ouais, c'était dark, c'est dark. Bonne mise en scène, hein, c'est... Ouais. Mais en tout cas, c'est passé crème de ouf. Ouais, les gens, ils étaient à fond dedans de ouf. Là, c'était cool. Ouais, c'était cool. C'est quoi le rapport que t'as avec ton public, toi? Bah, mon public, il est fou comme moi. J'ai un public de fou. J'ai une fanbase de fou malade. Genre depuis que j'ai 15 ans, gros. Tu vois, moi, avant Ténébreux, hein, là, je faisais des freestyles. J'avais déjà fait une série de freestyles. Et c'est le même jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, mon public, c'est juste qu'il s'est élargi. Ils m'aiment à la mort, je les aime à la mort. Et même quand je voyais la force qu'ils me donnaient sur les réseaux et tout, ça fait kiffer de ouf. Ça fait kiffer de ouf. Ça fait kiffer de ouf. Ils t'ont soutenu récemment? Ouais. Dans tes galères? Ouais. Ouais. Après, je vais pas te mentir. Tu vois, je me base pas sur ce que... Tu vois ou pas? Mais quand t'es sur Twitter et tu vois ce qu'ils disent sur toi et que tu vois du positif, bah, ça fait toujours du bien, tu vois. Parce qu'il y en a sur Twitter, ils se font descendre tous les jours, tu vois ou pas? Et ouais, non. Mon public, moi... Vaillant de ouf, vaillant de ouf, vaillant de ouf. La team Cobb, c'est vaillant de ouf. Donc maintenant, ta vie, c'est quoi? C'est jour et nuit studio? Non, faut pas abuser. Studio, j'y vais peut-être 2-3 fois dans la semaine. Sinon, c'est chez moi ou chez ma mère. Ma mère, je sors plus, je vais plus en boîte, les trucs. Chez moi, chez ma mère, c'est tout. Donc les années qui viennent, du cobaladé tout le temps? Cobaladé tout le temps. Cobaladé tout le temps. Là, pour l'instant, je peux pas encore quitter la France. Mais dès que mon contrat judiciaire est fini, là, ça va être voyage et vas-y. Tu vois pas, on va essayer de découvrir un peu plus de choses. Des trucs que j'aurais dû faire avant, mais tu connais, j'étais bloqué au quartier et je fumais du shit, gros. Pour moi, ça me suffisait. Hey, tu me crois, pour moi, ça me suffisait, ça. Je sortais un gros fer, j'allais à la cité, je me posais dans le parking, je fumais toute la journée, gros. Hey, c'était ça, ma vie. C'était nul. C'était éclaté, sa mère. Ouais. C'était éclaté, sa mère. Mais tu vois, moi, pour moi, c'était trop da. Hey, c'est de la merde, frère. Non, faut bouger, faut voyager. T'as envie d'aller où? Je sais pas. Je vais faire comme je voyais dans un film avant, là. Je vais prendre un globe, là. Je vais le tourner comme ça. Ça, je vais faire. Et on ira, c'est tout. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Cobain, pour la suite? La santé. Le reste, tranquille, on s'en charge. Bah, je te souhaite la santé, mon pote. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci.